Le livre Pagoda of Light a été récemment publié à Toronto, offrant au lecteur une vision très personnelle de la beauté du Falun Gong et de la dure réalité à laquelle les pratiquants sont confrontés, comme le personnage principal, Bai Xiaohua, en Chine. Ce livre raconte l'histoire personnelle vécue par la famille Bai en Chine. Il dépeint la façon dont leur dévouement au principe de vérité a confronté la famille Bao au Parti communiste. Aujourd'hui architecte et ancienne de l'Université de Toronto, la co-auteure Wan Meng a partagé lors d'une cérémonie à la bibliothèque de Mississauga le 10 juin comment son expérience personnelle dans un camp de travail l'avait aidée dans la rédaction de l'ouvrage. J'ai vécu une expérience très similaire à celle de Bai Xiaohua dans le récit, car j'ai également été emprisonnée dans un camp de travail à Pékin. Nous y avons subi un traitement très semblable. Cela m'a donc aidé à comprendre la source de différentes personnes et pourquoi ces choses se sont produites. J'ai donc mis ce sentiment d'être dans un camp de travail et la source plus profonde dans ce livre. Comme la narration de l'ouvrage offre une plongée réaliste au cœur de la persécution contre le Falun Gong, il s'adresse à un large public qui pourra être touché par l'universalité de l'histoire sans avoir vécu en Chine continentale sous le régime du Parti communiste. Il s'agit d'une histoire tragique dans le sens où une personne qui essaie simplement de poursuivre sa spiritualité est confrontée à de nombreuses persécutions et arrive à montrer beaucoup de courage dans ses convictions à travers les épreuves. Dans un sens, c'est édifiant, mais il s'agit d'une histoire plutôt triste également. Comme j'avais déjà lu un livre similaire à celui-ci, sauf qu'il s'agissait de la Seconde Guerre mondiale et je l'avais plutôt apprécié, alors j'ai essayé d'en trouver une version asiatique. Les co-auteurs Wan Meng et son mari Long Tu ont cherché à mettre en lumière la bienveillance que l'on trouve dans la culture traditionnelle chinoise. Le personnage principal Bai Xiaohua, non seulement cherche à se conformer aux principes du Falun Gong, authenticité, compassion, tolérance, mais se cultive également lui-même à travers la pratique du dessin de croquis et de poèmes chinois. Pagoda of Light est disponible aux éditions Blue Butterfly Publishing à la NTD Toronto. Cent millions de personnes méditent paisiblement. Elles suivent les principes d'authenticité, bienveillance, tolérance. Leur histoire est ce qui a changé la Chine à jamais. Le 25 avril 1999, plus de 10 000 adhérents font pacifiquement appel à Pékin pour leur droit à pratiquer leur croyance. Le commandement du parti central a été terrifié. L'homme qui a juré d'éliminer le Falun Gong en 3 mois, sa jalousie va le pousser à tuer des milliers de personnes. Le Parti communiste crée une police secrète, le bureau 610, qui a pour mandat d'éradiquer le Falun Gong. Commence alors la répression brutale dans toute la Chine. Combien de vies cela va-t-il coûter avant qu'ils ne décident que la Chine est allée trop loin? Durant une décennie, la persécution fait rage. Pendant une décennie, les pratiquants de Falun Gong endurent. Pourquoi